Salut, c'est ça va, tu m'entends? Salut Stéphane, ouais, je t'entends bien là, pas de soucis. Allez, je partage mon écran. Là, tu m'entends bien. Sinon, je peux mettre le micro, comme la semaine dernière. Ouais, la dernière fois ça avait pas marché, mais là ça marche. Oh, là, ça marche. Ok. Sinon, ça va? Bah ouais, ça va bien. Sinon, je vais raconter, Ouais, ça marche. j'ai un tournoi à l'école. C'est des élèves qui ont organisé ça. Dans mon match. Tu m'entends? Oui, Oui, tu disais dans dans ton match. mon match. Bon, tu vois la position sur l'échiquier là. C'est pas exactement ça, j'avais plus de matériel. Mon adversaire me joue dame F6, Cédric. Il met sa dame à côté de mon roi. Il me dit checkmate, échec et mat. Je dis, ok, je me prépare à prendre sa dame. Il a pris sa dame, il met sur l'échiquier, il me dit checkmate. Je suis choqué. Je me prépare à prendre sa dame, j'attends qu'il appuie sur la pendule. Je dis, ah non, j'ai raté. Il met sa dame ici, il y a ce que j'ai raté. Il y a mat forcé. Après, il bouge château. Après, il y a mat ici. Tu connais Ouais, ce schéma. c'est mal mettre. Oui. En plus, tu vois que j'ai plus ma dame. Moi aussi, j'ai gaffé ma dame avant. Ma gaffe, c'était j'ai gaffé ma dame, mais j'avais tout cavalier, puis on compte un coup dame. Et moi, j'ai accepté. Il me fait ça. Il n'accepte pas. Tu n'as pas le droit, ça, tu sais. Je t'explique les règles un peu. Tu connais ça? Les Ouais, tournois, tout tout à fait. ça. Tu fais un coup, on appelle ça touch and release. Il a pris sa dame, touche. Il a attrapé, après il le met sur une case, tu peux pas changer, c'est like fit ça. Je l'explique, mais il ne me croit pas. Il y a un arbitre, mais c'est un élève lui aussi, il connaît pas les règles. Il dit non, mais il n'a pas appuyé sur la pendule, tout ça. Et tu sais, la seule raison qu'il n'a pas appuyé sur la pendule, il croyait que c'était échec et mat. Mais je peux juste prendre sa dame ici. Et je lui ai expliqué, ne me crois pas, il y avait aussi quatre élèves, ils sont témoins, mais ce sont tous ses amis, ils disent non, il peut. Oui, ça. On peut pas faire ça. Même après, l'arbitre et son ami, tout ça, ils me disent non, il faut le laisser reprendre son take back, tout ça. Mais je suis pas d'accord, je lui ai dit que j'ai déjà joué des tournois. Même un tournoi à Maurice national et international. Et j'ai joué, j'ai gagné aussi. Mais il ne me croit pas. Alors, il fait ça. Mais après, il me dit, il trouve des excuses. Un peu des excuses bidons. Il me dit, il n'a pas appuyé sur la pendule. Mais ça n'a rien à voir si tu n'appuies pas sur la pendule. Juste si son coup est illégal, comme si, je sais pas, il fait un coup illégal. Je sais pas, il prend sa tuile, il veut prendre mon roi, des trucs comme ça. On peut pas faire. Après, il peut changer son coup, plus ça. Et aussi, il y avait un cas, ça c'est extrêmement rare, le championnat du monde, moins fréquent. C'est les enfants, ils attrapent les pièces, ils sont petits, ils montent sur la chaise, ils attrapent une pièce, mais accidentellement, il y avait un cas, juste ce cas-là, j'ai vu qu'on peut changer de coup, mais sa tour est tombée comme si oh, il voulait mettre sa tour, il va gagner, il avait une tour. Il allait gagner, il garde sa tour tombe d'une hauteur, tombe sur une case et le coup est légal. Après, les arbitres avaient dit non, mais il n'a pas fait exprès, comme si il n'a pas attrapé la tour, il voulait jouer sur une case, mais accidentellement la tour est tombée, a glissé de sa main, est tombée et la tour est tombée exactement sur une case légale, je vois. Mais on avait compris, les arbitres avaient compris que. Il avait accidentellement fait tomber sa tour. Mais ici, tu vois, tu peux pas faire ça. Après, l'arbitre, il me dit, non, il donne les noirs gagnants, mais normalement, on appelle ça tricher. Quand tu fais un coup, tu take back, tu n'as pas le droit. Et je ne suis pas d'accord.
Si ton, il y a des fois, dans les tournois, même les parties amicales, tu peux laisser ouvert. Quand tu joues quelqu'un très faible, tu laisses take back, mais on n'a pas le droit dans les règles officielles Non, c'est d'échec, tout complet. ça. Après, ils disent non, on peut les laisser take back, tout ça. Moi, si j'avais gaffé madame, sinon j'aurais fait, mais je connais les règles, on n'a pas le droit. J'ai gaffé madame, j'ai accepté. On a fait une erreur, tu l'as accepté. C'est mieux que, je le raconte, c'est mieux que quand j'avais commencé, j'avais gaffé madame. C'est mieux que ça arrive, comme si tu es dans les parties tournois pas trop important, que tu perds pas grand chose, que ça arrive dans les gros tournois. Carson, un meilleur joueur dans le monde, quand il gaffe une dame, il perd plusieurs milliers de dollars, des millions de roupies moyennes, 20 000 dollars, 30 000 dollars, des milliers de dollars, quand il perd une partie, tu vois. Mais aussi, ouais, c'est comme ça. Après, il me dit, après, l'arbitre me dit, c'est son ami, c'est un élève, il dit qu'il a rien, il a pas vu. Même s'il était à côté, il a pas vu. Mais je propose même de, sinon, on rejoue la partie, même si j'ai raison, hein, tu fais ça, tu prends ta dame, tu gagnes. Ils n'ont pas accepté. Il n'a pas accepté. Alors, je propose de rejouer, mais il veut pas. Sinon, je rejoue, je vais le gagner moi. Je suis sûr que je vais gagner. Faut juste ressortir le papier avec le règlement de la fille et c'est Oui, terminé. mais j'avais pas de papier, mais quand même, ça, je prenais les règles. Mais après, il me dit aussi que c'est pas un tournoi officiel, tout ça. Mais j'ai demandé à un ami américain, il organise des tournois US. USA, quand tu veux, comme si tu veux faire un tournoi qui ne suit pas les règles fit, tu dois dire en avant, sinon on assume, on pense que c'est des règles de fit. Ça, je savais pas, mais ça c'est pas une bonne excuse. Alors, c'est comme ça, c'est que j'ai gagné la partie, mais j'ai perdu au forfait parce qu'il voulait me faire perdre parce que je suis plus fort que lui, et c'est son ami, c'est pour ça. Mais comme ça, ouais, mon adversaire, il a triché, il a gagné 10 euros environ. Après, il a gagné un tier 7. Moi, j'ai gagné environ que 3 euros. Et il n'y avait pas de fin d'entrée, j'ai gagné quand même 3 euros. Mais bon, l'Américain m'a dit de voir le côté positif. Je voyais pas trop le côté positif. J'ai perdu dans cette histoire. J'ai pas gagné un tier 7. J'ai perdu une partie pour rien. Mon adversaire ne connaît pas les règles. Je l'explique, il n'accepte pas. Après, il y avait aussi dans les échecs, comme si c'est les échecs, pour les personnes qui ont pris les échecs, ils ont essayé de comme si mettre des leçons dans le jeu, comme si. Quand tu fais une erreur, tu dois accepter ton erreur et avancer. Si tu fais une erreur, pareil comme d'un examen, tu composes un examen, tu fais une erreur. Après, j'ai dit non. J'ai fait une erreur, j'ai déjà rendu ta copie, tu veux regagner ta copie pour changer, tu peux pas. Après, c'est tout. Ouais, j'ai perdu. Mais il me dit que lui aussi, ça lui était arrivé, américain. Il a organisé des tournois, ça lui était arrivé, mais lui, il connaissait pas trop. C'était moins grave. Pour lui, c'était rock, son adversaire n'a pas le droit de croquer quand la case est contrôlée par une pièce. Après, il est devenu ami avec la personne qui avait fait cette erreur, mais il connaissait pas trop les règles, mais comme ça, après plus tard, oui, il a organisé. Seulement les deux cases à côté du Oui, roi. tu peux pas quand la case est occupée, quand ton roi doit passer sur cette case. Après, plus tard, j'ai organisé mes propres tournois, comme s'il me dit, je peux organiser mes propres tournois, ces choses-là n'arrivent pas. Après, comme ça, beaucoup de gens, même si. Je pensais que j'ai perdu pour rien. Beaucoup de gens ont appris les règles. À ce moment, ils savaient pas les règles. Ça. Mais bon, sinon c'est tout. Après, c'était juste pour te dire les règles. Après, il me disait comme si, comme si il essayait de trouver toutes les excuses, tout ça. Et, en fait, il a jamais joué de tournoi. Ils disent comme si ils ont déjà joué, ils peuvent faire ça. Ils ont jamais joué de tournoi officiel. À Maurice. Après, il me dit comme si son doigt touchait sa toux, tu sais, touch move first,
pouvait son bras toucher sa tour en touchant sa dame, mais c'est pas toucher, tu sais, quand pour toucher, il faut attraper la pièce, ça c'est toucher. Ton doigt, ton bras, ça compte pas comme toucher, là. Toucher sa tour. Après, ouais, c'est tout, c'est là que parce que j'ai jamais discuté de ça avec toi, des règles, tout ça. En train de lire les règles parce que Ouais. j'ai peut-être passé un examen d'arbitre pour être arbitre aux échecs. Ah, c'est bien, oui. À Maurice, même pas, j'ai parlé avec les orbites. Mauritien, il n'y a pas trop beaucoup d'orbites. Il n'y a que quelques et un orbite international, tout ça. Oui, ils m'ont dit ça. C'est bien, tu peux devenir orbite pour que ces choses en arrivent. Pas Ouais, celui. arbitre de club, hein. Oui. Pas arbitre Ah, de pas club. orbite international, je crois. Ça. Orbite fidée ou orbite international. Ouais, c'est tout. Il y avait ce cas-là. Tiens, ouais, je parlais des règles, tout ça. Ah ouais, c'est on... Ok. Ah ouais, je devais te dire quelque chose d'important. Je vais aller au chess Olympiade. La fin du juillet. Août. Ouais, au mois d'août. Oui. Ça veut dire 3 semaines. 3 semaines, je vais pas pouvoir donner de cours. Ouais, bah, ça pose pas de soucis parce que c'est à la même période que tu es en congé. Ah, non, je me Et demandais ben, si sauf moi, du coup, tu voulais bah, c'est bien que, ça que tu passes. C'est un grand tournoi, non? non, mais, tu sais, moi, je vais pas jouer. En fait, en 2020, il y avait une compétition en ligne, FIDE Checkmate Coronavirus. La FIDE a organisé des tournois en ligne sur toutes les plateformes, du chess, comme chess54. Tu pouvais gagner plein de prix. Tu pouvais gagner des t-shirts, casquettes. Moi, j'ai gagné une casquette. Tu pouvais avoir gagné des leçons avec des grands maîtres, des top GM. Je jouais contre des top GM et il y avait 64 premiers prix. Voyage pour l'Olympiade. J'ai gagné, c'était un vrai miracle. Merci. Dieu, Ah, Seigneur c'est cool ça. Jésus-Christ, c'était un vrai miracle. Il y avait plus de 520 000 participations pendant un mois. 64, c'est vraiment peu. Tu comprends, c'est. J'ai. Oui. Tu sais, il y avait Covid, tout ça. Ils ont Oui, organisé ça. avec le Mais. Covid, c'est un peu le bazar. Oui. Après. Moi, j'ai pas participé au tournoi qualification pour l'Olympiade représentée Maurice en 2020. J'avais gagné ça. Mais l'Olympiade a été reportée en 2020. Mais en 2020, Maurice. L'équipe de Maurice, c'est l'équipe en 2020 pour l'Olympiade. J'ai pas participé. Mes parents aussi ne voulaient pas ça. Après, j'avais gagné ça. J'ai pas participé. Peut-être 2024, je vais jouer. Parce que aussi, j'avais beaucoup de chance de me qualifier. Il faut être top 5 dans le tournoi qualificatif. Les 5 personnes qui vont représenter Maurice, 4 dedans, j'ai battu. Mais sinon, oui, c'est tout. Je vais juste aller pour voir tout ça. Il y aura des activités, tout ça, dans ce que j'ai gagné. Il y a des activités, tu peux aussi peut-être voir des meilleurs joueurs dans le monde, tout ça. Mais je me demandais si tu voulais qu'on remplace les leçons ou pas. Ben, pas besoin. Tu veux qu'on Pour remplace remplacer les leçons? celle Quoi? Attends. du... celle du mois d'août. Oui. La fin juillet, oui. Tu veux qu'on remplace pendant Ouais, la ouais, on semaine? peut. C'est pas moi, On maintenant. peut. Oui, Bah je après, c'est un petit peu en fonction J'ai un juillet, de tout bah, ça. quoi. Moi, je suis. Toi, c'est Tu quoi? C'est les 3 dernières semaines d'août, c'est ça? Non, les premières semaines d'août. Les trois premières. Oui, les 3 premières semaines d'août. Ah, les 2 premières semaines d'août. Jusqu'au D'accord. 10, tout ça. Jusqu'au 10 Olympiades et la première semaine, la fin de juillet 25, 31 juillet. Est-ce que tu veux que on remplace les leçons pendant juin ou juillet? On met ça, c'est pas un autre jour que tu es libre. N'importe quel jour. Même heure, Ouais, désolé. si Je dis on peut faire vendredi. ça. Environ trois leçons, je pourrais pas te donner. J'ai pas compris. Trois leçons, je vais pas pouvoir te donner.
Oui, bah, sinon après on peut les sauter, hein, comme c'est l'été, c'est plus simple. Oui. Tu peux voir toi, tu me dis plus tard, parce que je sais pas ce que tu peux. Ouais, je vais réfléchir. Tu m'as dit que c'était pas dispo. Ça veut dire la fin de juillet, le 26 juillet jusqu'au 10 août, 26 juillet ou 10 août. Je suis pas là. D'accord, ok. Ouais, Je suis c'est pas bon. mauvais, quoi. Bien, on est. Ouais, après, est-ce qu'on peut. Après le 15 août, tu es disponible? Ouais, 15 août, oui, je suis disponible. Eh ben, je serai aussi en vacances. Je serai en vacances jusqu'au 23 août. Donc là, on peut faire, comment dire? On peut faire plusieurs cours Ok, oui, on peut faire ça. les jours à la collège, je veux dire plusieurs Ok, jours par cours. on peut faire ça. On remplace après le 10 août. Tu es en vacances, ça. On peut faire ça. Ça dépend de toi, comme si. Ouais, non, De mais ton pas grave, ça sera agenda. bon. Je te demande juste. Je te dis, appelle quelqu'un d'autre, quand t'es revenu. Ok, Je suis encore en vacances, donc on peut faire une maison par jour. Si ça te va oui, aussi. c'est bon. Ok. Allez, on continue. On doit finir ça aujourd'hui, les pièges d'ouverture. On était arrivé 60e piège. Piège dans Sicilian Dragon. Dragon Sicilienne. On continue avec ça. On finit ça aujourd'hui. En plus, il y a Bon, encore ouais, on va finir, c'est beaucoup là. 4 plus 15 à 19, 20. 19, 20 pièges. Il y a aussi. Ça continue. On va continuer. On finit ça. Après, il y a des exercices milieu de jeu final. Peut-être pas Ouais, pouvoir finir. j'aimerais bien. Quelques. Et on continue. Le 4, c'est 5, Sicilienne. C'est 3, la Lapine. Puis 6, cavalier F3. C'est un siège journal. Tu peux jouer cavalier F3, c'est 3. Après. D5, prend. Dame prend. D4. Ça, c'est théorique, ça. Puis on prend. Et si tu joues cavalier A3, un petit piège, tu peux pas prendre parce que sa dame sera en l'air. Tu prends pas immédiatement. Ah ouais. Il joue A6 pour pêcher cavalier B5. Fou C4, tu attaques la dame. De très faux joueurs sont déjà tombés dans ce piège. Allez, il joue dame E4, échec. Fou E3, tu bloques et il se dit un fou cadeau, en cadeau, gratuit, je prends. Fou prend F7, je t'ai déjà monté ce piège. Ouais. Roi prend, cavalier, fouchette. Et on récupère la dame. On occupe la dame. Et notre ligne, même affaire, il joue fou G7, au lieu de A6, il joue fou C4, échec, fou E3, prend. Prend F7, si j'avais monté cette ligne, hein. Il ne veut pas Ah prendre échec avec la dame, prend fouchette. ouais. C'est pareil. Et c'est pareil, Ouais, et tu c'est pas prends. mal, ça j'aime bien. Après, on continue. Piège dans la Catalane. La Catalane, tu peux, si tu veux, tu peux jouer aussi des fois. Tu peux changer, quand tu deviens beaucoup plus fort, tu peux jouer. Des 4, tu peux changer, tu peux jouer la Catalane si Dans la Catalane, je ne vois pas trop quels sont les plans, enfin, pour le milieu de jeu. Non, mais c'est juste un truc simple, ça. Tu peux jouer toujours pareil. Tu joues G3, cavalier F3, G2, roque. Après, ça dépend des idées. Tu peux jouer. Il y a C4, le pion est faible, tu prends après. Tu prends, tu développes, tu prends. Tu fais que développer tes pièces, y a pas grand chose, mais c'est aussi jouable. D4, cavalier F6, C4, F6, tu peux pas jouer D5, tu vois, tu peux jouer comme ça, hein. C'est plus flexible, c'est une façon de jouer. Cavalier F6 avant, parce que cavalier F6 c'est un coup que tout le temps tu joues. G3, je vais fou G2, cavalier F3, roque, D5, t'attaques le centre. G2, développe,
sur cette diagonale. Fouet 7, développe, cavalier F3. Je peux voir avocat, B6, boucher fou B7, roque, fou B7, développe, cavalier E5, du roque, cavalier C3, cavalier BD7, dame A4, mon impression. Ah oui, après, tu vas développer ce fou, connecter les tours, développe. Cavalier prend le 5. Pion prend. Cavalier D7. C prend D5. Cavalier prend le 5. Et ici, le piège c'est D6. Tu attaques. Le fou et ce fou. Découverte, oui, c'est ça le piège. Et c'est une ligne qui est jouée. C'est une ligne naturelle. C'est pas un piège comme si tu fais ça, tu perds. Si ton adversaire tombe pas dans le piège, tu perds. Et c'est très naturel. Et ok, je peux prendre ce pion. Prends. D6, j'attaque. Fou prend. Tu as un intermédiaire ici. Tu prends ici avant. Tu attaques la dame. Il est obligé de reprendre. Et si tu gagnes une pièce. Oui, c'est ça. Ça le piège, ça c'est le premier piège dans la catalane. Le deuxième piège. D4, cavalier 6, C4, E6. Tu peux changer, hein. Tu peux jouer cavalier F3 avant, G3 avant. Ouais. G3, fou G2, après cavalier F3. C'est la même affaire. Ouais, c'est même chose que dans le Dame C2, tu protèges le pion. Parce qu'il faut attaquer ce pion. Il faut attaquer ce pion, tu protèges. Après, il revient. Fou G2. Tu veux roquer carré C3. C'est un peu même affaire aussi que D4 C4. Mais si tu as ce flanqueur, le roi est plus fort, le plus protégé et fort ici. Parce que tu as ce fou qui protège le roi. Tu joues le 4. Le pion est protégé deux fois. Pour la dame et le cavalier. Tu peux jouer. Il joue D6. Essaye de contrôler ses cases. Et 5. On attaque le cavalier. Cavalier FD7, la position ici, et prend D6, C prend D6, cavalier G5, ici c'est le piège, tu menaces mat, tu attaques le fou sur B7. Et ici tu gagnes une pièce, fou prend, tu vas gagner la tour, et c'est ça le piège. Ouais, c'est des pièges très naturels dans la Catalogne. C'est pour ça que je te dis que tu peux jouer plus tard si tu as beaucoup d'expérience dans les D4, C4, tu peux et des fois changer pour tes adversaires. Si les adversaires ne savent pas trop ce que tu fais, change un peu. D4, D5, ça c'est le troisième piège. C4, E6. Tu vois, en plus c'est un peu pareil, tu joues D4, C4. Après tu dis, ok, je change, je vais jouer catalan, G3. Fou G2, cavalier F3, hop. Il n'y a que ça en plus, comme ça. Sinon, la DSN n'est pas tombé dans le piège que je t'avais montré. Avec prend E3, tout ça. Puis on prend, je fou G2. Il ne peut pas pousser, protéger le pion parce que sa tour va être en l'air. C'est ça le truc. Il donne un échec. Tu bloques avec le cavalier. Tu peux aussi bloquer avec le fou, mais c'est plus naturel. Tu bloques avec le cavalier, c'est plus agaçant pour les adversaires. Parce que le cavalier est mieux que le fou. Donc tu bloques, et s'il prend le cavalier avec le fou, tu as un petit avantage ici. Mais ici, oui, mais ici, ok. Ici, il se dit, ok, je peux prendre ce pion. Dans ma carte, ici, c'est deux. Tu gagnes un piège. C'est un piège, un grand maître est tombé dans ce piège. Non, je me rappelle. C'est un grand maître, c'est pas n'importe qui est tombé dans ce piège. Il joue dame A4, c'est une partie rapide. Il est tombé dans ce piège. Il dit, ok, je prends le pion. Dame A4, il a raté cavalier C6, protège le fou. Fou prend C6. B prend. Dame prend. Et tu gagnes. Et puis là, la structure, elle est pourrie. Oui. Oui. Ou bien la structure, c'est des... Il a un fou de moi. C'est complètement perdant.
Tu comprends le piège? Après, ça c'était le piège dans les catalanes. Trois pièges. Je te montre. Après un piège pour B3. Un B3. Tu as déjà Je joué bon ça? Non, ça. Un B3. C'est populaire. C'est intense. Carré F6. Et le piège c'est plus positionnel comme piège. Ils prennent un cavalier pour un fou, c'est un peu mieux. Les noms ont déjà égalisé la position. Les 5, tu changes, tu prends cavalier C3, cavalier dame 5. Même si tu développes la dame, tu es un peu mieux ici. C'est ce qu'ils ne réalisent pas parce que tu as un fou pour un cavalier. Tu joues ce coup-là, fou à 3, tu bloques développement de la tour. Il développe. Cavalier C6, G3. Là, tu continues. Cavalier B4. Tu Ah, menaces un mat ici. Peut-être. Vous ratez. Allez, tour B1. Oui, c'est mat. Fou G2. Échec. Et c'est tu roques. C'est ça le piège positionnel. Les pièces sont mieux placées. Tu vois, elles activent les pièces. les noirs sont mieux ici. Et c'est des coups assez naturels. Au lieu de cavalier GE2, cavalier F3, on voit cette ligne. Tu roques, cavalier ici. Fou E7, tu reviens parce que le fou était attaqué, le cavalier. Tu reviens. Ça, c'est les meilleurs coups, je pense. Même ça, les noirs sont mieux, tu vois. Un petit peu. C'est pas un gros piège, mais c'est un piège positionnel. Parce que tu joues cavalier F6, ils ont pris. Avec le fou ici. Les noirs sont mieux. Tu as déjà égalisé la position. Et tu peux jouer pour une victoire avec les noirs ici. Allez, on a fini ici. Et on continue. Maintenant, un piège dans English Opening. L'anglaise. J'avais joué un petit peu, C'est bah, 4. ou en aversion, j'avais dit F3. Ouais, c'est bon. Je vais changer. C4, ça moi c'est ça c'est très positionnel, c'est tout bien. Tu joues C4, cavalier F3, après tu fais comme la catalane, G3, fou G2, roque. Tu joues E5, cavalier C3, cavalier F3, G6, ou fou G7, D4, prend. Cavalier D5, tu centralises. Fou G7. Fou G5, tu attaques la dame. Il bloque. Cavalier prend ici. Fou prend. Dame prend. J'ai démontré un piège un peu similaire, je crois. Avant, c'est le même piège. Dame prend. Cavalier F6. Fou Oui, et après H6 tu mat. peux le Ouais, ça, j'ai déjà vu qu'il m'a démontré. Ah, ok, ça c'est le premier piège en English, un deuxième piège. C4, F5, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6, E4, bloc, fou C5, la pression. Non. Cavalier prend, ici. Dame, cavalier prend. D4 ici, il y a une couchette. Ouais, facile, facile. Après, tu continues, tu prends pas immédiatement, tu peux attaquer une fois avant. Tu prends, et ici, il y a des attaques ici. Je crée beaucoup d'attaques. Dans mes 7, protège. Un peu tout. Cavalier D5, j'attaque la dame. Et C7. Oui, une fourchette. Dame D8. Fou G5. Cavalier E7. Seul pour protéger. Fou C4. B6. On va couper dans 10 minutes.
Ok, on finit ça après. En fait, je crois finir. On va essayer de finir. Carré. F6. Et c'est mat ici. Si. Ah, ça, c'est des petits jeux en plus. Tu vois les pièges? Il prend. Tu fais ça. Il y avait aussi un autre coup là, je crois. Alors ils se disent fou prend F2, tu peux voir avec l'ordi. Cavalier prend sérieux. Ils disent ok, je vais perdre mon fou. Je prends. Mais si il peut être D4, c'est faux. Échec, roi G1, il n'y a rien. Le roi est très en sécurité ici. Petit joue H3, cavalier H6, fou G5, clouage. Et tu es gagnant. La meilleure défense c'est prendre. Prendre immédiatement. Ça c'est les lignes. Prends, après ici D4. Tu peux aussi jouer fou B4. Fou B4. Fou D6 c'est l'erreur. Fou B4. Mais c'est ici. Ici aussi les blancs sont mieux. Donne un échec, tu prends. Tu recules en arrière. Cavalier, ici les noirs sont perdants. Je fous à 3, développe. Cavalier 7, ennemi, l'ordi donne. Et son sein, et si tu prends ici, voilà, y'a rien. Après, une autre ligne, deux prends, cavalier prend ici. Ça, c'est une meilleure ligne. Dame D4. Cavalier prend, pion prend, fois 5, fois 3, même ces lignes, hein, les blancs sont au mieux. Tu robes, hop, que des noirs, hop, long, tu prends. Et cette finale est mieux pour les blancs aussi. Même les meilleurs coups des noirs, c'est pas extraordinaire. Les blancs sont toujours mieux. C'est un autre Pourquoi, coup. attends, pourquoi les blancs ils sont mieux là? Allez. Montre-moi la fin. J'ai appuyé en plus, c'est Non, 1, 2, 3, non. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai appuyé en plus, c'est 2. Simplement. D'accord. Ouais, le ligne. J'avais pris le 4. Derrière. C'est dit, je vais perdre une pièce. Je prends du chou ici. Je prends. J'attaque. Échec. Tu reviens, tu peux attaquer le cavalier, tu reviens, fou D3, rock, et c'est ici, et c'est aussi, les blancs sont mieux. Encore une autre ligne, maintenant fou prend, je demande toutes les captures de ce piège, dame prend, D6, fou E2, rock, fou E8, F3, tu peux construire ce pion, A5, B3, je vais développer ton fou ici. Fou D7, fou B2, A4, toi D1. Tu développes tout simplement. Et si les blancs sont mieux aussi. Vous n'êtes pas déjà gagnant. Dans toutes les lignes, les blancs sont mieux. Si tu veux jouer anglaise. Non, non, c'était une certaine époque. Là, je suis parti sur le Bambilan, mais tu m'avais Oui, conseillé. ça, ouais, c'est mieux. Parce que l'anglais, c'est un peu complexe. Il faut bien connaître les positions, tout ça. Allez, on continue. Piège dans poule la semi-slave. D4, D5, C4, C6, C prend. Reprend, cavalier F3, fou G4. Ici, une erreur assez souvent les gens font. Ils développent le fou avant. Mais je t'avais montré ça quand tu développes ton fou trop tôt. Ce pion sur B7 n'est plus protégé. Et tu peux jouer dame B3. Et ici, dame B6. Puis là, le pion sur D5. Ici, le meilleur coup, c'est dame B3. Ah là, pour les noirs, bah là tu fais dame C7. Ah non, ça marchera pas. Dame C7. Ah, tu Tu peux. Tu peux pas prendre ici ces decks parce que y a maintenant. Voilà. Mais
Tu veux jouer carré C3, après tu vas prendre ce pion. Non mais attends. E6. Hein, et c'est carré E5. Il y a trop d'attaques ici. Tu joues B6, carré E5, tu attaques le fou, reviens. Tu prends les pions ici encore. Une fois, carré A6, et il y a mat. Carré A6, match F7. Ah, j'ai raté. Il y a mat ici, le nid, il revient avec fou C8. Et si les blancs sont combinés, tu continues à développer tout ça. Oui, donc il y a un temps, c'est un peu cool. Dame C8, ouais, j'avais bon. Tu joues carré C3, E6, carré F. Carré E5, fou F5, fou F4. Et ici, les blancs sont combinés. Dame C7, dame prend ses maths. Ça, il faut te rappeler. Ça, c'est un peu simple, ça. Il prend là et il développe le fou. Trop tôt. Ok, deuxième piège. D4, D5, même. C'est mes slaves. Carré F3, carré F6, E3, fou F5. Encore une fois, il développe le fou. Donc tu dois regarder. Le fou sur B7, tu peux développer ta dame, attaquer le pion et le fou. Le pion, quand il a développé son fou. Dame B6. C prend. Dame prend. A prend. Et c'est. Il y a un piège. Assez connu. Fou prend B1. Tu reprends pas le fou CD. Tu prends le pion. Ah bah oui. Ah je l'ai. Ouais. Il y a une tour. C'est un peu le même piège que la Caroukane. Je t'avais montré, c'est même affaire. Tu reprends pas tout de suite. Et si tu prends sur A7, tout prend A7. C'est un peu le même piège que dans la Caroukane. C'est un joli piège ça. Tout prend. C'est 7. Et tu fais dame. Tu vois? Ouais, c'est pas mal. C'est le même piège que la Caroukane. Tu prends sur A7. Le pion ne peut pas être arrêté. Ok, j'essaie de faire un coin intermédiaire, fou prend B1. Tu prends pas, tu. Le fou, tu pousses, tu prends, après tu peux pousser. Tu attaques la tour, il est obligé de prendre la tour, c'est même bien du tout. Et si tu gagnes, tu fais dame. Ça c'est le piège. Elle est un piège pour la king. Ah, je crois que j'ai oublié de mettre le piège. Ah, j'ai oublié de mettre les pièges, hein. C'est là. Bon, c'est grave. Ah, j'ai oublié de mettre les pièges. Juste pour avoir les idées. Ah, pas grave. Un piège dans la Sicilienne. Ça, c'était un piège comique. C'est un piège simple, ça. E4, C5. Carré F3, E6. D4. Pion prend. Carré prend. Carré F6. Et si. Un piège, il y a des fois les joueurs font ça, 5 pour attaquer le cavalier. Non. C'est une erreur parce que tu peux donner un échec et tu prends le pion ici. Carré C3, tu prends le pion pour aider. Carré C6. Ça, c'est le piège simple dans la Sicilienne. Tu commences, tu as gagné un pion ici. Ouais. Allez, les noms sont bleus. Allez, piège simple et. Ça c'est un piège, Bobby Fischer a joué une partie comme ça, contre Assassin, deuxième jeu de partie, le 4 c'est 5, carré F3, Bobby Fischer 11e champion du monde. Ouais. D4, ça c'est une Sicilienne ouverte, G6 ou G4 ou G7, fou E3, carré F6, fou C4, en plus ces coups sont très naturels, développe, seulement, croc, et c'est fou B3. Replace son fou, c'est un peu prophylaxis. Carré A5. Ici, tu joues E5. Tu attaques le cavalier. Recule son cavalier. Ok, on a été coupé. On va attendre
Nouveau lien de Cédric. C'est la réalité. Carrière 5. C'est dur. Ça va, c'est dit que tu m'entends, hein? Ouais, c'est bon. Et je vois pas d'âge d'écran. Tu vois l'écran maintenant? Ouais. Ok. Et là, on est arrivé là, fou B3, cavalier A5. Et là, tu disais pion B5. Et 5. Cavalier A5, c'est une erreur. Cavalier A5, erreur. Et... Même pas principe, il développe une pièce deux fois. Il bouge une pièce deux fois. C'est ça l'erreur. Et 5. Cavalier. Retourne à la maison, faut prendre F7 ici. Ça, faut pas plaisanter avec Fuchsia, c'est quoi? Et il trouve ce truc là immédiatement. Pour apprendre, carré 6. Je vais pas prendre parce que la dame sera en l'air. Pourquoi il a pas pris le coup avec la tour? Alors avec la tour, il y a un piège ici, même piège je crois. Il peut jouer ça. Un cavalier 6 ici, j'attaque. Ah ouais, ouais, la dame. Elle est quand même coincée. Et la dame est coincée. Si tu prends avec le clôt, la dame. Ouais. La dame est en l'air. Ouais, c'est fini. Ouais, je me disais, ouais, c'est ça. Après cavalier 6, il fait ok. Dans le tour pour le tour, il prend le cavalier. Et ça va pas bien finir, dame d5, échec, plus logique. Roi 5, g4, échec, roi prend, tour g1, échec, roi h4, tour g5, échec, roi 5, dame d1, le roi volant, tour f3 et c'est mat. Dame prend f3, ouais. C'est fini. Ah, c'est un joli parti ça. Alors, on peut regarder avec l'ordi. Le 4 c'est 5, carrière 3. Tout ça c'est logique. Du coup, logique, il développe. Fou E3, fou C4, G6, fou B3. Ouais, peut-être il a fait ça aussi pour. Peut-être cette erreur. Fou carrière 5. Carrière 5 c'était l'erreur. Il a fait une seule erreur. Ouais, E5. Il retourne. Oui. Reviens, faut prendre 7. Voilà, j'ai raté. Faut prendre 7. On apprend. Maintenant, tu t'es perdant. N'importe quel coup est perdant ici. Le roi volant, après, c'était mat forcé. Ouais, ça, c'était le piège. Un piège dans la semi-slave. Continue. D4, D5, C4. Si tu joues un semi-slam, faut connaître un peu les pièges. Oui, c'est bien. Cavalier F3, cavalier F6, E3, fois 5, cavalier C3, F6, dame B3, dame B6. Si tu as dame B6 pour protéger le pion. Pardon. Dame B6, ici. Ça, c'est un grand maître qui a fait cette erreur-là. Voilà, c'est une partie. Un grand maître qui joue avec les blancs. Ici, tu joues fou E4. Ouais. F3. Ici, le grand maître joue F3. Ouais. Tu échanges dame B3.
prend, pion prend, fou c2, j'attaque le pion, joue c5, et si tu joues g5, c'est le cavalier enfermé. C'est ça le piège. Il n'y a plus cette case est bloquée, cette case aussi est bloquée. Pas un grand maître, je crois deux grands maîtres, ils sont tombés dans ce piège. C'est possible, 10 mais quand même ça. Tu vois? Ce piège, c'est un piège intéressant. Grand maître tombe dans ce piège. Cavalier F3. Tu joues des coups normaux en plus. Fou F5. Ça c'est nickel. Tu joues normal. Dame B3, Dame B6. Et c'est cavalier H4. Et c'est d'avoir le fou. Fou E4. F3. F3 c'est l'erreur. Ouais, F3. Il joue dame B6. Dame Normalement, il même aurait fallu. cavalier, même oui, même cavalier H4 c'est ok. Après il joue F3. Voilà, non, mais là les blancs, ils auraient dû prendre avec le cavalier. Ouais. Donc cavalier prend, ça c'est un point bien, je crois. Deux points. Il y a ce pion. Même ça, s'il prend avec le cavalier, c'est moins grave que F3, mais. Et c'est un pion, c'est assez fort, les noirs sont un peu mieux aussi. Voilà ce piège, hein. C'est le point, tu es content, tu es un peu mieux avec les noirs. Tu prends ici. Allez, échanger de dame, tu es content, tu as une meilleure position avec les noirs. F3, tu échanges ici avant, après tu attaques ce pion. Après, il faut n'importe quel coup. C'est simple, tu peux gagner le cavalier. Même B4, c'est de sauver le pion. G5 aussi, encore pareil. Tu vois, ils font n'importe quel coup, le cavalier enfermé. Ces cases sont contrôlées. Tu vois, c'est un piège assez profond, parce que même grand maître tombe dans ce piège. Les grands maîtres sont tombés dans ce piège. J'ai vu. Passer de blitz. Allez, maintenant un piège. Contre Queen's Gambit. Tu prends. Passer. Piège Queen's Gambit accepted. C6. Prends. Puis on prend. Tu développes ton fou. E6. G3. Fou E7. Fou G2. Avec BD7. Roque. Roque. Tour. Développe. Fou C2. Tu attaques la tour. J'aurais dû. Quand tu l'aurais dit. Tu développes la tour ici. Le champion. Fou C2. Attaque à tour. Cavalier B6, ici c'est la dame piégée. La dame n'a plus de case. Tu t'es contrôlé. Non, ça, elle fait pas. Tu vois? Et tu gagnes la dame. L'erreur, c'était ça. Ça c'est normal, mais il développe la dame un peu trop tôt. La partie. Ça c'est. Si tu joues la catalane, tu peux faire. C'était tour E1 ici. Tour D1 ici. Tu aurais dû jouer tour E1. Parce que tour D1, la dame est piégée. Il n'y a plus cette case pour la dame. Et tu joues cavalier B6, tu gagnes la dame. Tu vois le piège? Je le retiens. Après, je vais t'envoyer les pièges. Avec aussi ce piège dans le système de Londres, D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, fou F4, C5, E3. Tu développes ce système de Londres, tu connais. Fou G3, roque, fou D3, dame E7, développe. Cavalier E5. Cavalier D7, tu essaies de prendre. Tu prends une fois, deux fois. Tu prends, prends. D prend. Dame prend. Fou prend H7. Tu connais ça? Roi prend. Dame H5. Roi G8. Cavalier E4. Tu peux pas prendre parce que la dame sera en l'air. Dame C4. Cavalier G5. Dame D3, on va chez le mat, le 4 ici. Il est obligé de bouger la tour, tu prends.
prend échec, c'est complètement gagnant. Je suis un peu tour D1, la dame, tu bouges, tu roques, c'est complètement gagnant. Tu prends tout. Et c'est tu es complètement gagnant. Ça, je vais démontrer une ligne. Okay, T'as déjà vu, tu échanges, tu prends ici, après il faut prendre H7. Parce qu'il n'y a pas de cavalier sur F6, c'est ça, c'est fou. Ouais, j'avais vu ça en fin de compte, on va dire au début, quoi, Ouais, quand il n'y a pas de cavalier sur F6, le roi est faible. Allez, un piège pour la française. Je peux jouer contre la française. Tu développes, protège le pion, cavalier C3. Prends, prends. Ça, c'est Winawa. Puis on prend, cavalier F3, tu développes. F6. Fou A3. Fou E6. Échec. Tu vois bien. Cavalier BD7. Dame B2. H6, C6, C2. Tu vois l'erreur? C'est un peu bizarre d'avoir joué H6. Et le piège. Faut pas trop, je vois bien une attaque côté le roi, mais sur ce cavalier tu vois pas, c'est bon, c'est bien que tu n'as pas regardé la réponse, mais c'était assez facile. C'était maths en deux. Je m'attends à ce que tu vois ça. Ah ouais, je veux pas regarder. Tu prends ici, c'est Boden mate. Ah Dame ouais. prend, pion prend, touche G6, échec et mat, checkmate. Boden, Ouais. mat de Boden, c'est si bon si je veux en plus ça. Tu vois, tu peux avoir cette partie là un jour, c'est Ouais, prends, c'est ça. prends, cavalier F3. Ça, c'est comme si un schéma de mat que tu dois savoir. Oui, bah Dame oui, E2. mais je le connais, mais bon, Tu vois, dans le point H6, de il vue. voulait empêcher ce G5, des trucs comme ça. Ah, oui. La position était assez difficile pour les autres. Tu veux voir, je suis sûr, il y a des potes qui jouent. J'avais. Voilà, il y a une partie de jeu, ça c'est celle des caisses. Et la personne n'a pas vu, il a vu F5. Il y avait un vrai partie de jeu dans la vraie vie. Comme ça. Comme ça que je connais. Allez, piège dans la Scandinave. F4, D5, tu prends, prends. Cavalier C6, D4, tu prends, C4. Échec, attaque cavalier, tu protèges, A3, attaque le cavalier, tu recules, prochain attaque le cavalier, il dit que je gagne un cavalier ici. Attaque la dame, je reviens, je continue, je vais gagner ce cavalier, tu pousses le pion, pion prend. B6, Ouais. fou E3, développe, A6, ici, dame B4, cavalier D3, la dame est piégée, fourchette, tu gagnes la dame, prends, 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 dame prend D3, c'est gagnant, toi tu as piégé, tu pièges la dame. Piège contre Scandinave. Dans la Scandinave. En plus, c'est des coups naturels, tu vois. Il dit, ok, je peux gagner un cavalier. L'erreur, c'était là. Ici, il faut revenir avec Dame D1. Et c'est pas trop naturel, il dit. Quelqu'un se dit, je vais gagner un cavalier, pourquoi je vais faire ça? Mais c'est un piège assez complexe. Parce que maintenant, la dame est enfermée. Ça peut être la dame. Ses cases sont contrôlées. C'est diagonal.
C'est fou. Et tu gagnes une dame. Allez, un deuxième piège dans Scandinave. On va finir ça aujourd'hui. Le 4, des 5. T'avais F6. Tu développes ton fou, tu attaques, protège. Dame prend. Fou et 2. Et puis, comme ça, cavalier C6. Attaque. Tu reviens. Et attaque le cavalier. Roc long. Développe sa dame. Pour appeler tourage. Attaque le cavalier. Bouge. Puis on prend. Il en prend le pion avec la dame. Échec. Puis on prend. Prend. Échec. Échec. Prend. Prend. Et c'est gagnant pour les noirs. Ça c'est une ligne. Prend. Prend. C'était gagnant pour les noirs. Ici. Le piège c'est. Les coups naturels. Mais. Tu peux tout prendre ici. Tu bloques. C'est une partie du jeu, ça. Et les noirs sont mieux ici. Il prend. Parce que les blancs ont développé la dame. Il y a le roi blanc est faible. Il y a plus possible d'attaque. Et c'est gagnant. À la fin, j'ai mis. À la fin, oui, ils ont raté une fourchette ici. Les blancs. Allez, le dernier piège. C'est un grand maître. Il vient d'inventer ce piège. Ego. Gambit. Le 4 et 5. D4 prend. Cavalier F3. Cavalier C6. Assez intéressant. Cavalier G5. Ok, on est bien l'ordi. H6. Cavalier prend F7, c'est lui. Roi prend. Pour C4, échec. Roi E8. Dame H5. Roi E7. Échec. Roi D6. Échec encore. Roi C5. Dame D5. Roi B6. Dame B5. Échec et mat. Checkmate. Et tu gagnes le roi. C'est un piège assez intéressant, c'est nouveau, mais. Réfutation. Avant, je vais te montrer les pièges. Vous allez dire H6, si je joue fou E7. Tu prends pareil, je prends sur F7. C'est ce que je t'avais montré ça. Le pion F, c'est le pion faible. Même si ce piège. Normalement, ça ne doit pas marcher, mais. Mais tu peux créer beaucoup d'attaques. Le pion F, c'est un pion faible. C'est des idées. Roi prend, fou C4, échec. Il revient, dame H5, G6, dame D5, D6, échec, échec, fou E6, checkmate. Échec et mat. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Après, une autre ligne. H6, j'avais une autre ligne. Cavalier F6. Fou C4. D5 et prend, cavalier prend D5, rock. Ici, les blancs sont mieux, même dans cette ligne. Les coups les plus logiques, les blancs sont mieux. Il faut jouer des coups très précis pour avoir l'avantage avec les noirs. La réfutation, c'est. Alors, il y a une autre ligne ici. Roi E7 ici, au lieu de Roi E8. Je reviens, tout le monde en ligne. Cavalier F1, G5, H6, prend, prend. Ici, au lieu de jouer Roi E8, il joue. Et non, je joue Roi E7. Je joue Dame H5. Dame E8. Fou G5. C'est clouage. Je peux pas prendre. Cavalier F6. Fou prend F6. Pion prend F6. Dame D5. Et. C'est cette ligne là qui est la réfutation. Ouais, c'est une réfutation. Ouais, oui, c'est bien. Ouais, 7 c'est
C'est une ligne, mais c'est ça une des réfutations aussi. Je me rappelle. Même si tu crées beaucoup de pièges. Il y avait aussi une autre ligne. Un 6. 8, 7. Ça, c'était la réfutation. Au lieu de. Quand il joue fou C4, au lieu de jouer fou 8, il doit jouer. Ouais, fouet. Ouais, fouet aussi. Dame H5, tu continues G6, dame D5. Dame 8, roque. Ah, ils peuvent gaffer mal. Avec. Fou H6 ici. Bah oui, c'est le petit point. Ouais, fouet ici, dame H5, G6. Dame D5, Dame E8, Roque, Cavalier F6, Fou H6. C'est un piège un peu intéressant, mais je sais pas. Je crois qu'il y a un certain niveau, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Je vais montrer une chess. Tu veux voir. C'est une chess, ce piège-là. Il y a beaucoup de gens tombent dans ce piège. 70% H6 et 70% de victoire. Tu vois l'écran là? 70% de victoire, 28% qui gagne avec nous. Donc c'est un bon piège. Même si c'est pas un bon piège d'après l'ordi, mais beaucoup de gens tombent, perdent, tombent là, dedans et perdent. Le plus facile pour dire allez, je vais aller voir ailleurs. Et si tu prends, même si c'est moins 4, mais la plupart des gens gagnent, tu vois. On va prendre dame F6. Ça perd. Et on voit meilleure ligne, deuxième. E7, tu prends. On va prendre. Ou C4 échec. Et beaucoup jouent. Y8. Mais la réputation c'est Y8. Dame H5, c'est ça la réputation, je te montre. C'est G6, Dame D5, Dame E8, Roque. Et il faut pas gaffer avec Cavalier F6. Tu vois, même dans une ligne de la réputation, il joue Cavalier F6, il rate. 27 personnes tombent avec maintenant. Et des bons joueurs, 2100, 2000, plus 2100, 2200 tombent dans ce piège. Tu vois, plus de 2000. Plus de 2200, il n'y a pas beaucoup, mais 2200 au moins, il tombe dans ce piège. Et ici, il doit le faire. Roi G7. Roi G7, c'est pas très naturel ça. La personne qui a joué dans toutes ses parties. Roi G7, après l'ordi. D6. D6, c'est le meilleur coup joué pour les humains. Carré B4. Ça, c'est pas mal. Carré B4. B4, je peux prendre ici. Tu vois? Ce piège est assez intéressant. La réputation, après, tu joues D6. D6, Roi G7. Roi G7, le roi est à la bouche. Je joue carré F6, D6 après. Ouais, ouais. Tu vois? Carré F6, D6. Ouais, tu te rappelles? Tu joues carré F6, soit Roi G7 après. C'est un jour quelqu'un te joue. Tu joues ça content. Même si ça, moi, tu joues pas trop le 5. Ouais, c'est sur le prochain. Mais bon, c'est intéressant de voir les différentes possibilités. Oui. Je sais pas, j'ai ça. Il faut que je vois, j'ai ça. La réfutation, ça. Le 4, D4. Prends. Tu joues le 7, tu prends. C'est le 4. Tu joues Roi F8, tu joues pas Roi E8, c'est moins bien. Dame H5, G6, attaque. Dame D5, Dame E8, empêche le match. F7, Roque, Roi G7. Cavalier F6, D6, tu gagnes. Ok, c'est la semaine prochaine, même jour, même heure. Ouais, ça marche. Ok, plus de 3 heures, ok, bye. Merci, Stéphane. Merci, au revoir. Ok, merci d'avoir regardé. Vous pouvez regarder mes autres vidéos. Merci, bye, à la prochaine.